Mais ouais, parce que je suis revenue. Non, je suis chez Marie-Claire Officielle. Moi, je ne m'attends pas trop avec elle, mais elle a mis une vidéo. Connectez-vous, connectez-vous. Vous partagez mes directs. Partagez, parce que là, on va écouter un goût ça. Là, parce que là, j'ai voulu mettre ça chez. J'ai pris chez la marque La Rose, mais comme la marque La Rose parle, du coup, on n'entend pas bien. Partagez quand je fais comme. Même si vous partagez, après vous retirez. Écoutez, Facebook, c'est quoi? Vous partagez quand je suis en direct. Et quand je finis mon direct, vous supprimez les partages. C'est ça? À 10, seulement 10 personnes. Donc, je mets le live. Moi, je ne veux pas beaucoup. 10 personnes. 10 personnes seulement. Et voilà. Sous les 10, on commence. Parce que moi je n'attends pas 1000 ou 10 000 personnes ou 5 000. 10, vous êtes là 6, vous êtes là 6 personnes. Parce que vous ne partagez pas. 10 personnes seulement, on commence. On va écouter. Quand ça faisait encore. Merci à 10 personnes. Merci. Voilà. J'ai écouté un peu son direct. Moi, j'aime bien envie de parler à Patricia Bell, parce que Patricia Bell, je vais te dire en toute sincérité, tu es fausse, tu es très fausse. Tu es vraiment fausse, très fausse même. J'ai compris que tu étais fausse quand tu as commencé à clasher le couple Messan. J'étais déçue de toi, j'étais toujours aimée et j'étais toujours respectée. Mais quand j'ai vu ta position, la façon que tu as retourné ta veste contre le couple Messan, j'ai dit que l'homme est vraiment mauvais. Il faut se méfier vraiment de l'être humain. À partir de là, j'ai dit non. Je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est vrai. Non. Tout le monde, pas Patricia Mel, elle ne peut pas prendre son téléphone, venir clasher le grand frère Jean-Louis Messan. Impossible. J'ai refusé d'accepter ça. Au point où j'ai dit, mais attends. Le grand frère a ouvert sa porte à cette fille, elle a dormi dans sa maison. Ça avait dit qu'elle pouvait être en mission, elle est dangereuse. Donc, mes amis, méfions-nous avec qui nous mangeons, méfions-nous avec qui nous buvons, méfions-nous avec qui nous fonctionnons. Le dehors est mauvais. Très mauvais. Le dehors est tellement mauvais que j'ai peur maintenant. Même quand je parle avec quelqu'un au téléphone, j'ai peur. Mais le problème, c'est que quand tu es avec des personnes qui ne sont pas à ton écoute, tu as toujours envie de tu peux. Pas là dont t'ouvres l'oreille, là dont on t'ouvre les mains, la main, là dont on te demande de poser ton on te donne l'épaule pour mettre ta tête. Moi je suis comme ça, je suis souvent très ouverte. Donc quand j'ai vu Patricia Mel prendre son téléphone, venir clasher le couple Messan, faire des comparaisons entre le grand frère Messan et le président des Beaux Ailleurs, j'ai dit merde. Quelle ingratitude. Tu t'es lavé chez lui, tu as utilisé son mot. Tu as bu l'eau chez lui. Tu as mangé chez lui. Tu as dormi sur son toit. Ce que avec les autres, tu n'as jamais fait. Ce que tu n'as jamais fait avec les autres. On respecte. Tu vas aller du côté, comme tu dis, des maillons forts. Va sans vouloir manquer de respect à ceux avec qui tu étais avant. Parce que quand tu viens clasher le grand frère Jean-Louis Messan, soi-disant tu dis que sa femme c'est ta sistou. Tu es intéressé, je suis désolé. Tu vas au sens où le vent t'emporte. C'est vraiment pathétique pour une personne. Je vais vous dire, vous les femmes là qui sont sur la toile, vous dites que vous êtes des milliardaires. L'argent ne parle pas et le million ne parle pas. Une milliardaire ne se parle pas sur les réseaux sociaux. Quand on a, tu étais chez le couple Messan et tu sais très bien que tu ne peux pas comparer ces personnes-là. La maison de Messan où tu as dormi, il n'est pas en location là-bas. Tu as vu sa deuxième maison. Tu as vu leur bien. Ils vivent en Europe, ils ne vivent pas en Afrique pour aller construire en Afrique. Ils ont assuré la vie, l'avenir de leurs enfants en Europe. Ils sont propriétaires en Europe. Tu dis que tu es milliardaire, tu as trop d'argent. Mais un milliardaire n'est pas dans le Congo, ça, je suis désolé. Moi, j'ai un milliardaire dans ma vie. J'ai un milliardaire. Jamais tu vas voir un milliardaire se pavaner sur les réseaux sociaux. Vous savez, mes Maros, moi j'aime toujours aller faire des petits remèmes avant de dormir.
pour voir, parce que c'est pas sur la toile. Je suis tombé sur cette vidéo sur Marc des Roses. Et dès que j'ai compris que cette vidéo, si je l'ai suivi, ça, je l'ai suivi, elle ne date pas de longtemps. Hein. C'était avant qu'elle aille avec sa milliardaire, la dame là au Cameroun. Parce que Patrice Amène avait déjà crié depuis. Oh, tu veux quand même mon caleçon? Oui, ils étaient encore ensemble. La vidéo s'est sortie. Oui. Alors que moi, j'ai commencé parce que la première, les gens qui disent à Facebook hein, que c'est Nadège Bapa et Dukamé, non. Je suis la première personne à défendre Parmesan. Il m'a rien demandé. Il était m'étonné. Oui. Car avant qu'il aille au Cameroun, avant d'aller au Cameroun, ils ont fait leur démonstration des produits, ils m'ont invité. Oui. C'est quelques temps après que Patrice Abel aussi est sorti chez Parmesan. Oh, mon caleçon, l'histoire du caleçon, vous connaissez. Donc, pour vous dire, tous les moments, ce sont les choses qui arrivent là, là, là. Moi, je dors tout le temps. Moi, je n'ai rien à faire. Quand Namungo est là, je pars. Moi, je dors, je me réveille. Je dis que, comme je ne mets pas trop sur moi, parce que ma batterie était finie. Je dis que bon, je m'avais un peu fait. Mais t'es quand même les cœurs. Bonsoir, Duracell. Mais oui, je suis énergisé, Duracell. Oh, c'est tout. Mettez les cœurs quand même un peu. Et si on ne demande pas l'argent, hein, je vous demande vraiment. Mettez seulement les cœurs. Même les cœurs, vous avez peur de demander. Mettez les cœurs, pardon. Bon, moi-même, j'aime bien mes cœurs. Moi, j'aime les cœurs, moi-même. Vous ne voulez pas mettre les cœurs chez la Warus. Vous croyez que quoi? Moi, je vais mettre mes cœurs. Parce que ici, là, je ne demande pas l'argent. Donc, moi, je ne suis plus mon utilisé. Donc, moi, je vous donne. On va faire comme ça. Et on va voir. La vie de qui est plus joyeux, moi ou pour les autres gens qui commandent. Moi, je ne commande pas. Oui. Hé, hey, Mwanja, tu veux me trouver? Mwanja, moi, voici ici. Je te dis que. Mwanja, fais-moi un petit coucou à WhatsApp, s'il te plaît. Parce que dès que je finis ça, j'ai envie de parler un peu avec toi. Si tu es encore. J'ai envie de parler un peu à quelqu'un, quoi. Oh, Carole Bouven, merci d'être là. On a bloqué mon compte là-bas. On dit que je suis quelqu'un qui... que j'ai harcelé les gens à Facebook. Alors que c'est eux qui me harcèlent. Parce qu'à Facebook, ici, quand il y a un problème, je ne dois pas parler. Bon. Je vous mets... Écoutez, compresseur. S'il te plaît, s'il te plaît. Fais coucou. On va d'abord écouter... On continue à écouter... Fais les directs à deux balles. Cherchez les étoiles comme nous, les pauvres femmes. Nous, on a su, nous sommes pauvres. On a faim. Au point où on vous demande même... Parce que vous nous avez dit que vous avez. Qui vous a dit qu'une milliardaire se retrouve sur les réseaux sociaux? Malgré que tu es milliardaire, mon grand frère le sang, tu as dormi chez lui, tu as mangé chez lui. Aujourd'hui, tu viens faire une comparaison, tu veux le comparaître, mais Patricia Mel, tu es hypocrite. On dit local, mais tu es dangereuse. Tu es dangereuse. Tu es la plus dangereuse même des filles que j'ai pu connaître, sournoise et tout. Je vais te parler. Je vais pas te clasher, mais je vais te dire tes vérités. Tu es hypocrite. Tu es la plus grosse hypocrite et une manipulatrice. Si moi aujourd'hui je marche avec X et que X marche avec Y, je veux dire que je ne marche plus avec Z. Mais toi, lui de te retirer, tu viens, tu fais, tu viens clasher le grand frère me sang. Juste à dire que le grand frère me sang n'a rien. Ton président de beaux ailleurs, aujourd'hui c'est ton père. Ah, de ça tu es propriétaire en France, donne-leur une maison. C'est ça qu'une milliardaire fait. Une milliardaire ne s'assoit pas dans les réseaux sociaux pour dire que j'ai. Je dis que l'argent ne parle pas, Moni. L'argent ne parle pas. On voit, on constate. On connaît quelqu'un qui a l'argent. Vous toutes là qui venez parler sur les réseaux sociaux que vous avez l'argent, vous êtes ceci, vous n'avez rien. Parce que celui qui a l'argent ne parle pas. Tu découvres seulement. Est-ce que vous avez vu un jour le couple me semble, il dit ici qu'il est propriétaire de deux maisons. Parce que sa maison à lui a, je crois, 5 chambres, plus de 5 chambres. C'est 2 niveaux. La maison d'à côté, je crois, c'est 2 chambres. Est-ce qu'il est venu dire?
Est-ce qu'il est venu s'asseoir, commencer à dire que bon, voici, je suis propriétaire de. Mais c'est moi qui suis venu parler, comme ma bouche là ne porte pas ta leçon. C'est moi qui suis venu parler, alors que mon grand frère le sang a assuré la retraite. T'as dit, ses enfants sont garantis à vie. Que si papa aujourd'hui n'est plus là, on a nos deux maisons que papa nous a laissées. Ils vivent en Europe, ils ne vivent pas en Afrique. Et il n'est pas en compétition avec quelqu'un. Personne ne peut courir la tête de personne. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Quand je prends mon téléphone, quand j'ai pris mon téléphone, maintenant, peut-être que Patricia, tu es une hypocrite. Tu es une manipulatrice et tu es une suiveuse. Excuse-moi de te le dire, mais je te le dis, en toute sincérité, tu es une suiveuse. Et quelqu'un qui dit qu'elle est là, quand on a, tu pouvais créer ton blog pour aider. Pour aider ceux qui n'en ont pas. Je connais ce qu'on appelle une milliardaire. La milliardaire, ça ne parle pas. Est-ce que quand ma milliardaire a meublé ma maison, est-ce qu'elle est venue dire sur les réseaux que c'est moi qui ai acheté le canapé de Maléba à plus de 2000 euros? Mon canapé a coûté plus de 2000 euros. C'est elle qui a acheté. Mon frigo, tout ce que j'ai dans la maison, c'est elle qui a acheté. Vous avez entendu qu'une milliardaire vient se pavader vous dit que je suis milliardaire. Vous avez entendu ça? Donc arrêtez-moi avec vos bêtises que vous venez faire dormir les petites filles sur la toile. Heureusement que ces petites filles ont compris déjà que sur la toile, c'est le rêve. C'est que des vendeuses des rêves. Nous tous, on peut faire ça. Je peux me lever le matin. Je commence avec une bonne enfant à l'école. Je commence à marcher en partant, là, ne pas faire mes ménages. Là, je dis que ici, c'est chercher un appartement ici, là. Je m'embrouille. Vous partez avec vos pignons partout, là, vous dites que vous êtes les milliardaires. Quel milliardaire? Vous savez ce qu'on appelle milliardaire? Le million par an, dis-moi un peu. Entre le million et 1000 francs en pièces, qu'est-ce qui va faire le bruit? C'est 1000 francs, non? Est-ce que le million va faire coco? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Patricia Bell, il faut arrêter. Tu es dans tous les Congos, ça. Une milliardaire n'est pas dans tous les Congos, ça. Une milliardaire n'est pas dans tous les Congos, ça. Mais sachez que. Le cœur, s'il vous plaît. On ne renverse pas. Pour renverser un baobab, ce n'est pas facile. Il faut amener les sorciers au moins de 50 villages pour réussir à renverser un baobab. Les cœurs, je veux les cœurs. D'accord. Il ne pourra jamais atteindre la cheville. D'accord. Il ne pourra jamais atteindre la cheville de mon grand frère de sang. Et la femme de ton frère là, de ton père là, ne pourra jamais tenir un micro s'exprimer devant la femme de mon grand frère. C'est la nuit et le jour. Stop ça. Patricia Bell, tu peux faire le Congoussa de mon homme. Tu peux parler de moi. Tu parles de moi. J'ai un jour parlé de toi. Chaque fois que je vois, tu fais ja, tu fais les directs, tu fais comme si, tu veux faire comme si, ja, tu me trigues, tu me lances les piques. On t'a dit que quand on est illettré là, c'est qu'on n'entend pas aussi. Hein? Donc quand on est illettré, on n'entend pas aussi le français. J'ai dit que le Seigneur a fermé un côté, il a ouvert l'autre côté. Parce que vous tout là, vous dites que vous étiez à l'école. Vous exprimez, mais vous êtes nul, zéro. Tu peux t'exprimer, vous m'allez pas permettre de s'exprimer, maman. Moi, je vais m'exprimer, vous allez écrire. T'as dit, on va faire l'édité. Moi, je vais vous faire l'édité, je vais m'exprimer en français. Et le bon français, bien soutenu. Oui, oui. D'accord? Et vous allez écrire pour moi. Oui, oui. Maintenant, les langages du quartier, là, vous parlez, vous, parce qu'on vous regarde, on vous admire, les gens qui adorent la haine, les gens qui adorent les clashs. Tu t'assois, tu me fais le direct. Hein? On connaît quand quelqu'un est vieille. Mais moi, je ne prends pas les machins quand on dit que les butations, manosomes, tout ça, je ne bois pas ça. Voilà mon vrai âge. Voici mon âge. C'est sur mon dos, je sens que ça derrière tous les genoux. J'ai 42 ans bien compté. Vous fuyez la vieillesse pourquoi? Je ne prends pas les trucs pour rajeunir. Je ne prends rien pour rajeunir. On voit la vieillesse de la femme ici. Alors quand tu veux venir t'asseoir, tu veux parler de moi. Vous toutes là, vous êtes pareil. Vous êtes dans le aide-moi à détester. Bonsoir encore. Vous vous souvenez quand j'ai dit de même pas de Facebook. Si vous suivez. Panjansan, on a écouté ta doléance. Tu as demandé que un personnage comme moi ne mérite pas. Je sais pas, parce que mes trucs de clash sont tout seuls. Moi, je vous invite, vous toutes. Tapez seulement la bagarre entre Gospit et moi. Tapez là où la veuve, vous tapez seulement des années. Tout ça se trouve à Facebook.
Il y a certains gens entre vous, là, vous venez d'arriver dans les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Parce que moi, j'ai toujours été une femme assez, surtout parce que moi, à l'époque, moi, j'ai dansé, moi. Moi, j'étais une femme, j'ai dansé. Et j'ai eu un problème qui a commencé, pourquoi? Parce que Olivia Hervé, je vais vous expliquer ça aujourd'hui, partager ce direct, même si deux, parce que moi, il n'y a que moi qui a partagé, personne ne partage. C'est quand même marrant, hein. J'ai regardé, il n'y a personne qui a partagé, pour ce direct. Je ne demande pas l'argent ici. J'ai demandé comment mettre mon PayPal. Vous n'avez rien donné. Ce n'est pas grave. Est-ce que c'est ce que vous aurez honte plus tard? Je commence à avoir les problèmes quand? Parce que mon mari est mort en 2011. Je m'inscris. J'ai inscrit. Quand vous tapez Valérie Bonigo, c'était en 2012. Un truc comme ça, je ne sais pas trop. Parce que, attends, je vais... Ouais. Quand mon mari me partageait ce direct, je vous dis comment je me retrouve vraiment dans les histoires là. Moi j'étais à l'époque, il n'y avait pas encore les directs. À l'époque c'était que tu faisais une vidéo, tu envoyais pour insulter. C'était comme ça que ça se passait. Et oui. Après, la première personne, la première femme qui fait une vidéo. Et qui envoie à Facebook. C'était qui? Trésor Béa. Elle nous avait souhaité joyeux anniversaire. J'ai dit qui? Parce que nous, c'était un peu compliqué à l'époque, vous voyez donc. Oui. Il y avait un monstre qu'on appelait ou c'est Waman, ou c'est quoi? Ou c'est Waman, ou c'est qui? Je ne suivais pas parce que moi, à l'époque, on ne mettait que des photos. C'est pour ça que vous allez voir dans la plupart de mes comptes, il n'y avait que des photos. À l'époque, j'étais sublime, belle. Si vous voyez mes photos d'époque, j'avais un compte qu'on appelait Diva de Roche. C'est moi, Diva de Roche. Putain. Ouais. Si vous m'avez vu. Hein, moi, j'ai tout suivi. Waman. Je ne connais pas comment ça arrive jusqu'à que. Et là, il y a Waman qui fait ce truc là-bas. Mais la première personne qui fait, elle avait fait une vidéo et elle a posté sur... À l'époque, il n'y avait même pas, je sais pas, il y avait Waban. Mais, ce que les Bamiyeke, ils ne disaient pas leur chose. Ils ne disaient pas que faites des vidéos, vous envoyez. Maintenant, la première fille sur la toile, c'est Trésor Béa, qui nous souhaite bonne année. Elle a fait une vidéo, elle a posté. Je dis donc, il y a des vidéos ici, parce que oui. Oui. Et Waman faisait la même chose. Donc, il parlait seul. Il parlait seul. Après, maintenant, il fait la vidéo. C'est comme si c'était en direct. C'est là-bas que, apparemment, les gens étaient. Moi, dans cela, moi, j'étais la danseuse de Facebook. Hein. Moi, j'ai posté, à l'époque, j'ai posté que mes photos, mes vidéos, pas les vidéos, les photos, là où j'étais, avec mes chants, comment j'étais et tout. Je ne savais pas qu'on m'a déjà donné un rôle. Un très grand rôle. De veuve joyeuse. Après maintenant, quand les vidéos sont arrivées, on se filmait, après on poste. Moi j'étais traqué. Mais oui. On m'a traqué, j'étais comme une star. Quand je fais comme ça, on me filme, on va mettre sur Congo ça. Là où j'ai craqué, que j'ai décidé que je vais reporter à Facebook, quand on m'a dit que j'ai accouché un enfant à Ebolova que j'ai abandonné pour les enfants métis. Alors que je ne connais, j'ai jamais été à Ebolova. Je connais Ebolova uniquement parce que c'est là-bas qu'on fait les titres fonciers assemblement. C'est le cadastre ou c'est pas qu'on fait là. Et maintenant, on fait tous les assemblements et c'est à Ebolova chez nous. Nous, on descend, dépend. C'est pour le bac là-bas qu'on tient les titres français. Eh, mon Dieu, laisse-moi la lettre de la péripsie. On m'a accusé que j'ai un enfant que j'ai abandonné. J'ai pleuré. Je dis, pourquoi je n'ai pas. On m'a insulté, mes enfants sont passés. On m'a tellement insulté gratuitement que je me dis oui. Et après, j'ai dit que, au début, même les frères des vidéos, je ne connaissais même pas insulté. Parce que je ne connais pas ce monde-là.
On m'a tiré dans les clashs. Moi, j'ai dansé. J'ai dansé ma chose. J'étais la danseuse. Parfois, quand je passais dans les restaurants, les gens me regardaient, me disaient, la fille, c'est... elle ne voit pas que c'est... Ils me disent, c'est toi la fille? Je dis, oui. Oui. Pour te dire, même Eva, son nom. On joue en cause. Elle me dit, mais entre insultes, tu ne réponds pas. Je dis, moi, je m'en fous. Je ne connais pas ces gens-là. S'ils veulent m'insulter, je m'en fous. J'ai été traqué. Maman. Je nage, on filme. Je passe dans une rue, on filme. Je passe dans une soirée, on filme. On va mettre dans les congos. J'ai été insulté dans ma vie. Je ne crois pas que ces stars-là ont été insultés comme moi. Pour moi, c'était gratuit. Gratuit. Ça appelle, j'ai commencé à ne pas répondre. Et puis au début, je répondais les mêmes choses. Donc, j'étais un peu ennuyeuse parce que je ne connaissais pas ce mot-là. Après, j'ai dit que, oui, j'ai mis que quoi? Quand les filles insultent, moi aussi, je pense que je parle, j'écoutais ce qu'elles disaient, comme le c'était une grande insulteuse, avec une grosse femme, était petite. J'insulte un peu, voilà, c'est elle, c'est comme ça que je me forme pour commencer à répondre. Imagine une baguette là. Je pleurais tout le temps. Laissez-moi tranquille. J'étais toute malheureuse. J'avais ma petite liaison ici. Et j'étais toute malheureuse. J'avais peur de ces gens-là parce que je ne les connaissais pas. Et je me demandais pourquoi on m'a choisi, moi. Ben oui, c'est vrai. Hein. Ce qui m'est arrivé peut vous arriver. Il y avait l'acharnement sur moi, maman. Et comme je mettais sur... J'avais ma petite liaison avec mon poste radio que je tapais tout le temps que j'ai dansé, moi. J'ai été léger, insulté, dénigré, pour rien. Ça peut vous arriver, vous qui m'écoutez là. J'ai dit, reste comme ça. Maman, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? L'acharnement sur mes enfants. Sur, je dis que je, mes enfants. J'ai dit que je vous ai fait quoi? Tout ce n'est pas parce que quand mon mari, moi je vivais toujours dans vos joyeux. Comme je montre aussi. Et puis, il y a eu l'histoire des gens de Monaco, là. Ah, Natacha de Monaco. Ah, ben ça. Maman. Maman. Maman, Marie-Louise. C'est pour ça que Marie-Louise, va un peu. Les petits gens comme Nico Ketchal et d'autres là qui arrivent aujourd'hui pour m'insulter là. Ce sont les petites. Ce sont les enfants. Oui. Vous arrivez dans les réseaux sociaux. Nous, on est là depuis. Moi, on m'a formé. Moi, j'ai tué Elisabeth Degrémont. Je m'appelais Chiva de Roche. On m'a donné un nom. Veuillez joyeuse pour se moquer de moi. Et comme j'étais aussi joyeuse, vous savez, quand il y a bu mon champagne, on me fumait partout. Congo, ça. Là où ils ont tout fait, comme je ne répondais pas, quand ils ont dit que j'ai un enfant noir, que j'ai abandonné pour les enfants métisses, okay. Personne n'a jamais à savoir. Déjà, je suis 200 millions. L'enfant avait 30 ans. À l'époque, j'avais 38 ans. Donc, j'ai accouché à 8 ans. J'ai pleuré. J'ai dit, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas mon enfant. Maman. Pourquoi quoi tout? Ah, vous voyez que c'est elle. Avec sa femme, Kankan. Elle m'a demandé pardon. Que oui, je sais, je t'ai fait du mal. J'avais dit que la petite fille là. Elle dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Même le coup, comme a filmé la téléphone. C'est quelqu'un qui a demandé à la notre femme de me filmer. Oui. Elle m'a dit ça. C'est Frédéric qui a demandé qu'on me filme en téléphone à toi. Et effectivement, j'ai pris la robe, on m'a filmé. Oui. Donc, vous voyez un peu, il y a des choses que tu peux cacher dans ton. Et puis ça ressort. Maman! Moi, j'ai été choisi, Marie-Louise Mbaga. Félicité. Félicité, oui. Félicité Fosso. Ma copine. Elle est venue travailler ici. Que j'ai aidé. Qu'elle aussi m'a aidé. Et c'est moi qui parle d'un coup. Hein. Je paye d'un coup. Je dépense tout le monde 500 euros. Je paye la série, je paye toute la boisson, tout. On me filme quand même.
Donc, quand je vois les petits gens là, comme celle de la lionne a dit que si je parle encore le nom de la quoi, la Diosa, attends, je veux parler son nom tous les jours. Oui, elles m'ont piégé, oui, oui, j'ai été piégé, mais je me suis laissé faire. C'est comme ça alors que j'entre vraiment dans les clashs. Dans les clashs. Mais oui. Vous êtes avec les gens, vous filmez les gens. Ça, ce n'est quoi alors? J'ai compris. Voilà, c'est la lionne là qui m'a été dit. La lionne, calme-toi. Tu n'iras jamais nulle part. J'arrive au pays. Allez, comme. Il y a une là, on appelle ce qui. On était avec pas ma Samandjan. Tu sais, le jour que j'étais habillé avec mon truc rouge là, non. Je me suis débattu sur le problème de là. Attends maintenant, moi, Jean. Mettez un peu les cœurs quand même. Quand je parle, mettez un peu les cœurs. Vous êtes toujours là en train. Vous ne partagez même pas, mettez pas. Vous voulez seulement attendre le coucou ça. Oh. Le jour que j'étais habillé en rouge, le jour qu'on a créé la team de la vérité en rouge. Si vous ne créez, vous ne partagez pas, j'arrête de direct parce que là, le direct n'est pas bon. Bah oui. Mettez quand même les cœurs, non. C'est marrant, ils ont balancé qui écoute ce. Voilà. Mais oui, vous, non, il n'y a pas que Marie Zumbalassé qui doit parler. Oui. Maman, ma soeur. Merci Belen, merci Marius. Il y avait une fille grande qui vient l'Italie, celle qui vient l'Italie avec Nicole Ketchum. Moi, j'ai appris Pierre Zakam. Donc, le jour, elle est mince, grande taille. On l'appelle comment là? Belen. Belen, elle s'appelle comment? Ce n'est pas Pis Pis. Celle qui vient l'Italie là. Qui est surtout aussi, on a moi, Nicole Ketchala. Je vous explique quelque chose. Elle s'appelle comment là? Celle qui vient d'Italie. Carole. Monica Chase. Nous voici dessus là, non? Je suis habillée. Elle entre. Elle est grande, hein? Elle est grande, belle, fine. Elle peut être un mannequin. Belle. Je vois une fille qui entre et tout. Bon, on est ensemble et tout ça. Après, il me fait que me regarder, me fait des signes et tout. Mais moi, je suis quelqu'un que, attends, moi, je ne salue pas les gens comme ça. C'est alors là que Pam, ça donne la bombe. Monica Chase, elle est avec nous. C'est là que je dis, quoi? Tout le monde arrive, que viens ici. Elle était comme ça. Tu viens, on va dehors. On va s'expliquer tous les deux. Elle est grande, moi, je suis petite. Je dis, allez, viens. Elle dit à Pam, ça. Je dis à pas me sang, que pas me sang. Je ne veux pas la brutaliser. Elle est venue dehors. Avec mon accusé. Elle m'a vu. J'ai été dur avec elle. Tu me souviens pourquoi? On se connaît? Tu connais ma vie? Hein? Tu connais ma vie? Non, ce n'est pas ça. C'est parce que tu insultes du gâteau. Les gens que je suis là, eux-mêmes doivent se défendre. Vous allez attraper le. On va vous égorger ici dehors. Tu ne connais pas qui je suis. Là où je suis ici, je peux te tabler là où tu es là. J'avais un couteau sur moi. Parce que moi, je marche avec le couteau. Tu m'insultes par rapport à quoi? Par rapport à Lolo? Où je vais être où? Hein? Non. C'est parce que j'ai dit que, écoute-moi très bien. Ne parlez plus jamais de moi. Parlez moi. Ne me voyez pas coûteux comme ça. Ne voyez pas comment j'avais fait la bagarre. Je sortais d'un accouchement. Si j'étais moi-même, s'il y avait peut-être une personne qui était avec moi, ce que je ne consentais pas, depuis la Facebook. Tu ne me connais pas. Oui, j'ai compris. Elle m'a même donné 50 euros. Elle a dit merci. J'ai pris. Et maintenant, ma poche, bonne soirée. Oui. Avec moi, on ne s'amuse pas. Demandez à, comment on appelle là, il y a une là qui est très belle comme ça. Weber, elle s'appelle Weber. Celle qui est Weber. Okay. Je ne laisse même pas l'occasion qu'on m'approche, moi, Jean. Aucune occasion. Je ne laisse pas. Tu vois, les gens, les stars, elles veulent venir, mais moi, je ne demande pas. Je ne demande pas. Je ne laisse même pas, surtout que j'attends que tu as fait quoi. Moi, je viens devant toi, viens, on va dehors. Je dis, non, c'est moi, non. Je viens seul. On a Zabi qu'un seul.
Non, on va juste causer. Parce que dehors, je te pose que ce que. Pourquoi tu m'insultes? Parce que moi, je ne te connais pas. Donc, tu veux. Tu m'insultes parce que j'ai insulté ta patronne. Et le jour que tu es en deuil, ton anniversaire, les enfants qui naissent, les banquets, mais tout, je les vois courir ici. Eh, ma faux, saute-moi, je viens d'accoucher un enfant, je viens de faire ceci, elle s'appelle Flo. Elle n'en a rien à foutre de vous. Elle a déjà sauté son anniversaire, une de vous. Mais moi, quand j'ai le temps, je saute les anniversaires, comme aujourd'hui je l'ai fait. Il y a une dame aujourd'hui qui m'a dit que la joyeuse, j'ai nommé Kyria Elisabeth. Vous avez vu comment j'ai dansé pour la petite fille? C'est ça. C'est donnant-donnant. Vous vous détestez seulement les gens parce qu'on a insulté Loulou. Parce que j'ai insulté Marie Zoubarga. Tu viens m'insulter. Moi, ok, moi, Jean, quand tu vas me voir, je suis faible. Moi, je viens, c'est moi qui vais appeler les gens. Même ici à Paris, quand je bagarre, je viens chez toi. Moi, c'est moi-même qui te sais. Je sors de ta maison. Cloum, sors. Tu n'arrives pas à sortir chez toi. Je suis devant ta porte. Peut-être que j'ai une légende, peut-être que les achicots ou bien la saleté, ce que les gens disent. Mais vous ne connaissez pas très bien. J'ai un caractère très dur. On est d'accord là? Moi, je viens que il y a une la pisse-pisse. Ah, attends. Voilà, alors maintenant le premier. Attends, je m'en vais ouvrir. Vous allez entendre ici là. Voilà. Les gens qui ne dorment pas chez eux. La voisine, vous attendez, non? Dan, Dev Dan, elles sont obligées de faire comment? Faire quoi? Que j'ai demandé à quelqu'un. Moi, je suis comme ça. Insulte-moi, alors là. On dit que voilà, Dev Dame qui assiste là. Je vais venir devant toi. Tu te dis que viens en bas de toi. Parce qu'il y a du monde. Je te demande que. Tu vas trembler. Demande que je suis. Moi, je passe sur des gens. Je dis que, ok. Tu me connais? Tu m'insultes pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Quand tu vas dire que j'étais insulté par rapport à Marie Zoubarga. Marie Zoubarga, tu as dit que bon, je ne te connais pas. Je n'étais pas insulté. Je te demandais d'aller me défendre. Non, je ne veux pas les portes. Parce que là, comme je vous explique aujourd'hui, la voisine d'abord, la porte s'est fermée, non, mais j'attends sa voix. Elle est là. Elle parle. Je n'ouvre pas ma porte, non. Elle parle. Oui. Elle parle avec qui? Les clients. Oui. Oui. Moi aussi, je peux faire poum poum là. Là, maintenant, je vais là dehors. Attends, allons-y. Vous allez écouter. Attends. Allons-y. Allez écouter. Ça va durer comme ça jusqu'à 4h du matin. Et elle parle fort et j'entends ici. Oui. Voilà. Ici, c'est Paris, hein. Appelle la police, même au balcon. Qui est là? Voisine, c'est toi? Moi, c'est la voisine? Oui. Ça va, toi? Ça va, toi? C'est toi qui as appelé la police ce matin? Oui. Oui. C'est toi? Bah, apparemment, oui, oui, oui. Donc, ok, je comprends et tout. Mais je ne pense même pas que c'est toi les vrais policiers. Comment? C'était pas les vrais policiers, en fait. Non. Donc, mais là, je vais faire une enquête et tout ça. Oui, tu sais, parfois tu te réveilles, tu es pas bien dans ta tête aussi. Je comprends. Parce que, tu sais, hier, eux, ils ont fait la fête toute la nuit. Hein. Mais tu sais, tu les connais ici, les voisins. Tu les connais ici. Tu bah oui, parce que, écoute, ils sont les voisins et tout. Bah oui, mais. Dans l'entrée et tout, je te jure,
attends, je suis monté. Attention. Écoute-moi, chérie. Je suis monté. Lui demandait si ils ont appelé la police. Il m'a dit non, c'est pas lui. Mais après, il a commencé à m'engueuler. Puis il me dit qu'à partir de 22h01, si je mets encore la musique fort. Alors que ici, je les ai appelés, qu'ils sont arrivés. Ce sont des amis. S'il y a un problème, ils m'appellent. Mais en fait, il y a un problème de, conjugal parce que sa femme n'est plus avec lui. Donc, du coup, il n'est pas bien dans la tête. Et chaque fois, il prie tout le temps. Et moi, je dois faire quoi? Bon, je me suis excusé et tout, et c'est bon. Bon, j'ai compris. Donc, voilà. En tout cas, nous, on est là, on admire un peu la vie, quoi. Ouais, mais tu prends pas la tête. Ouais, je veux pas te la avec lui. J'ai coopéré, mais apparemment. Oui, apparemment, c'était pas les vrais policiers. En fait, c'était pas les vrais policiers. Mais en tout cas, c'est pas grave. Moi, je suis là. Hein. Bah, bonne soirée à toi. Allez, bonne soirée. Ouais. Eh oui, les célibataires de Soulène. Là, maintenant, c'est que machin a fait ceci. Vous avez vu, non? Eh oui, un ganda. Je sais que tout à l'heure, il y a une de mes deux filles qui va venir me donner un peu d'argent ici. Voilà. Elle parle là-dedans. Elle va parler jusqu'à 6h du matin. Après ce que ça dit, elle monte les seins et tout ça. Tu as une femme ivoirienne. Ta femme part. Tu viens. C'est le problème là, vous choisissez. Elle dit non, elle est là. Oui, comment elle parlait fort? C'est pour ça que je suis allée dire que oui. Elle me connaît très bien. Si vous savez, les meubles ici, ce qui se passe ici. Si vous savez. Tout le jour, il s'est confié, il m'a dit, il commence maintenant à boire. Je dis, pourquoi tu bois l'alcool? Il me dit, ah, c'est pour ça que j'ai croisé. Il me dit, oui. Moi, je savais. Hier, ils ont fait la fête ici. Moi, j'ai dit que, oh, je dormais. Donc, le matin, je me lève et je dis, bon, je vais faire un peu de after. Parce que le after, c'est que, après la soirée, non. Vous continuez. Il est fâché. J'étais étonné que, mais, je parle comme ça au type-ci. Et sa femme ne répond pas. C'est parce que sa femme n'était pas là. Est-ce qu'elle arrête? Bah oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi? Mais pourquoi? À mon âge, j'ai encore quoi à perdre. On a cherché mon sugar daddy, on va aller en Australie voir les kangourous et tout. Vous croyez que tu fumes, que tu ne fumes pas? Ça fait quoi? Mais aller à l'hôpital. Moi, m'opérer ou à Neuilly, alors qu'on peut m'opérer ici. Mon hôpital, c'est ici. L'hôpital de Fouche, pourquoi? Mon mari est mort là-bas. Comment on appelle ça? Mon Dieu donné, c'est là-bas. Tu crois que c'est un hôpital que les mauvais souvenirs. Hein? Je ne fuis pas que j'attends encore quoi de la vie. Hein? Je maigris. Oh, tu as trop maigri. J'ai le quoi? Oh, je fume. Est-ce que vous avez vu que j'ai mangé devant vous aujourd'hui? Parce que je compte d'avoir réduit la nourriture. Je réduis d'avoir la nourriture. Et c'est un choix. Il faut s'en tenir. Ce que tu as dit, c'est tout. Je ne veux plus manger. Parce que là, regardez-moi, j'ai encore commencé à prendre du poids. Mon petit ventre est en train de sortir. On m'a retiré l'utérus, mais pas l'estomac. L'estomac, ça. Toi, tu manges, le ventre grossit aussi. Là, maintenant, je ne mange plus comme avant. Tu me parles des histoires que je compte arrêter la cigarette un jour par rapport à quoi. Marie-Lise Bagay, c'est moi. Marie-Lise Bagay a fini avec moi jusqu'à. Moi, j'ai fini avec elle. C'est ma soeur, on est ensemble. Vous savez, j'ai horreur des gens qui jugent les gens sans les connaître. Dans la vie. Je peux sortir là maintenant là.
une voiture me prend là. Vous connaissez l'histoire du matelas de Gilbert. Ce jour-là, il y avait la police ici qui a cassé la porte du vendeur de drogue ici. Moi, je suis sorti seul pour aller payer mes cigarettes. Voilà une voiture. Il commence à lancer le matelas. Et j'attends, ping-pong, ping-pong, la police les suivait. Est-ce que la police a regardé le matelas? La police suivait les bandits. Et j'ai vu le matelas, j'ai tiré le matelas, je suis arrivé ici. Et c'est les policiers eux-mêmes qui ont pris le matelas. Est-ce que les policiers ont demandé que tu as pris, tu es descendu tout à l'heure? Est-ce qu'ils ont demandé que tu as pris le matelas où? Je suis parti. J'ai payé ce qu'ils ont fait. J'ai commencé à tirer le matelas. Hein? Voilà le matelas là, ici. Teddy Bear. Teddy Bear. Imagine un bon matelas. Bien moelleux. Voilà ceci. J'ai arrivé en bas. Madame, on va vous aider? Oui. C'est les policiers. Et eux-mêmes, alors que la maison, s'il y avait quelqu'un qui avait un coup ici, dans la maison. Voilà le matelas. Je vous montre le matelas. Vous connaissez pas la veuve joyeuse? Oui, le matelas ici, mon Dieu. Attends, j'allume. Voici le matelas ici. Voici le matelas ici. Le matelas de... De Gilbert, voici le matelas ici. Que j'ai ramassé là-bas en route. Que j'ai dit que quand les gens vont venir ici, ils vont dormir dessus. Non seulement que ici en bas, écoutez l'histoire, on casse la maison d'un dealer de drogue. Voilà aussi les policiers là-bas qui poursuivent aussi les dealers de drogue. Les dealers de drogue, ils avaient les matelas de Teddy Bear qui jetaient en route, qui vient aussi en route. Veuve joyeuse, j'ai seulement tiré le matelas. J'ai amené ici. Est-ce que les policiers ont demandé que tu as pris le matelas où? À l'heure là, c'est à l'heure là que je pouvais trouver le matelas. Ils nous ont dit, madame, on peut vous aider. C'est les policiers eux-mêmes qui étaient ici, qui ont porté le matelas ici. Qu'est-ce que vous croyez? Je trouve le pigeon, soit je ne prends pas. Mais moi, j'ai des histoires toujours bizarres. Et ils sont arrivés ici, alors qu'il y avait la scène d'un coup qui était en bas ici. Ils pouvaient guetter. Jusqu'à eux, ils sont venus mettre ça ici. J'ai dit, mais ici, partez. Ils s'en foutent. Ils sont venus arrêter le gros gilet. Donc, moi, j'avais ping-pong, ping-pong. Donc, pour faire arrêter un peu les policiers, comme ils avaient aussi voulu les matelas, ils mettaient les matelas pour que les policiers n'arrivent pas à les arrêter. Et qui est là? La veuve joyeuse. Non seulement ici, boum. Moi, j'ai seulement tiré les matelas. Alors. Voilà, ils jettent les matelas. Pour les policiers, j'ai dit que. D'abord, l'état que j'étais, quand les policiers, quand ils m'ont d'abord vu descendre, m'a aimé. Et puis, je marche couillant, couillant. J'attends encore. Ping-pong, ping-pong. J'ai dit que vous connaissez les policiers de France. Les voitures sont toujours loin. Et les assaillants, on les appelle les quoi là? Maman. Moi, j'ai d'abord fui. Quand je vois les matelas, ils mettent les matelas. Il y avait même les matelas, il y avait les fûts de. Il y avait les matelas, il y avait les fûts de. Henneken. Enfin, les fûts de bière. Pour que les policiers ne les arrêtent pas. Maman et les policiers étaient ténaces. Ils évitaient les obstacles qu'on les jetait. Quand ils sont passés, j'ai dit. Je voulais prendre les fûts de bière. Les fûts de bière continuent à faire qu'on va dire que non. Et moi, bien tu pas, j'ai tiré le matelas. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Teddy Bear, c'est là. On vient me parler de quoi là? Il y a quoi bizarre? Il dit que. Massa, il me baisse. Fallait voir l'histoire. Ici, il y avait sept mains. Moi, alors, quand je m'habille, Mazébé. Donc, on parlait un peu de. Tu sais, bon, je sais très bien que c'est ta personne.
Un jour, j'étais ici, là, avant même que toi et moi, on ait des problèmes. Bah, parce que les gens croient que je n'ai pas de problème, mais qu'il y a des problèmes. Notre soeur, ma soeur Boulou, qu'on appelle Lorraine Mungo, elle part chez le Flore. Et puis, elle lui pose une question. Je lui dis que, est-ce que, quand on sort du délai, est-ce que la veuve, est-ce que le loi dit un jour que, parce qu'apparemment, tu étais la voiture avec la veuve, est-ce que le loi dit un jour qu'elle va me tuer? Maman, Lorraine me gagne. Lorraine me gagne. Une histoire vraie. Je m'a dit, je déteste seulement cette femme que je veux seulement qu'elle meure. Et c'est là que je dis à l'autre non. Oui, on peut faire un guet à pain, peut-être qu'on la tape et tout, on donne les coups de poing et tout. Mais pas là, qu'il aime. Elle dit que même ce que là, je veux payer les gens pour la qu'il aime. Dans tout ça, l'autre même que je parle rien, c'est moi qui défends Flore. Je dis que non. Mais l'homme me pousse même. Mais oui, tu es tué comme ça. Quand tu fais un plan, tu es tué là, tu es gâté. Je dis que non. On peut l'insulter, si tu veux. Mais on ne peut pas là, qu'il aime. Une histoire vraie. Lorraine est partie nier là-bas. C'est bien une personne. C'est une personne, tu as raison. Maman. Et après, elle m'appelle. Elle dit, mais tu m'appelles pourquoi? J'ai toujours dit, dans la voiture, elle habitait encore dans les écuries, là, avec le vieux blanc, là, dans les écuries, là-bas, avant d'aller habiter dans la maison, là, là où elle habite, là, avec elle habitait la maison où elle habite, là. J'ai dit, mais. Tu peux pas nier quoi? D'abord, tu appelles pour dire quoi? Oh, la veuve m'a fait ceci. Tu la connaissais? La veuve m'a fait ceci. C'est que j'ai répondu. Tu veux être amie avec Flore? Ah oui? Tu n'as pas sur la vidéo là? Parce que moi, parce que les gens qui coupent les vidéos, moi, genre, ils coupent les vidéos, ils coupent les vidéos, ils coupent les vidéos. Je ne peux pas te prendre, je ne te connais pas. Elisabeth Bejima, je ne te connais pas. Je ne peux pas te prendre. Si c'est quelqu'un d'autre qui appelle peut-être, mais quand je ne connais pas une personne, je ne peux pas prendre. Maman. Elle n'est pas niée. Je dis que, mais qu'est-ce que tu appelles? D'abord, tu appelles pour parler de quoi? Que je suis stable. Je suis comme toi. Hein? C'est n'importe quoi. Tu vas nier quoi? Lorraine. Je ne la connaissais pas en tout ça. Je l'ai connue. Le jour de cette soirée-là, oui, on était assise, soi-disant, elle était marraine, je ne sais pas quoi, on était assise avec celle qui est morte là, les Bokala. On était ensemble. Elle me dit, tu ne connais pas la voix, je dis, non, je ne connais pas. C'est comme ça qu'on commence à me prendre en patois. Elle dit qu'elle est une fille bêtise, boulot et tout ça, mais je ne sais pas si je cherche à savoir de quel boulot elle sortait. Attends, je vais un peu penser, je ne sais pas, peut-être que. Je sais pas que c'est... Oui, c'était chez Mimi Volpon. Oui, c'est le jour-là. Alors qu'on n'a pas dormi, ouais, refuse. Tu refuses pourquoi? Tu appelles, tu refuses pourquoi? C'est le jour-là, alors qu'on n'a pas dormi, on part chez Mimi Volpon. Je ne connaissais pas Mimi Volpon. Et Mimi Volpon, on était même avec Avitan, qu'on était un peu et tout. Et Lolo avait toujours un comportement assez. Elle est un peu agitée. Un peu agitée. Et oui, parce que à la soirée, Mimi Volpon m'a dit qu'elle m'invite. Elle m'invite avec quelques amis. Je dis, mais tu n'invites pas Lolo. Elle me dit non. Donc le lendemain, comme moi j'étais à l'hôtel, et j'étais dans le petit hôtel qu'on appelle Intercontinental, là, dans un petit mythe hôtel, là où elle s'appelle, c'est pas bon. Je n'importe quoi. Et là, il dit que, ouais, un Lolo, moi, je me lève le matin, je m'en vais au marché avec mon petit chéri, on m'a fait les petits coups et tout. Et puis, on se retrouve. Et normalement, on devait partir. Et il dit que non, il y a Mimi Volpon qui m'a invité. Elle me dit, Mimi Volpon, elle t'invite pourquoi? Elle dit, ben, c'est une amie, elle m'a invité, il y a l'anniversaire de son mari. Elle dit quoi? Mais elle ne m'a pas dit ça. Elle dit, mais elle te dit pourquoi? Elle m'a invité. C'est moi qu'on a invité. Si tu veux, tu viens avec nous. Et tout.
Tu sais, quand je suis quelque part avec le loulou, elle aime que tu restes avec moi. Mais malheureusement, elle fait quoi à Facebook comme quoi? C'est moi qui cours derrière elle. Alors que non. Parce que moi, j'ai mes pieds et mes mains en place. Elle, non. Donc, il dit, mais non, on part là-bas. Et puis, ce cas, il se passe quelque chose là-bas. Elle commence à lancer les pics. Maman, elle commence à me lancer les pics. Parce que je ne savais pas que Mimi voulait le pôle. Et elle connaissait Lolo, tu vois. Elle commence à me lancer. Les pics, et tu me connais. Et Lolo voit, c'est une alcoolique vétérée. Elle commence à me lancer les pics, et moi je lance les bombes. Et puis après maintenant, parce que Lolo, quand il y a la boisson, elle fait quoi? Elle boit. Comment plutôt quoi elle est? C'est comme ça, alors que maintenant, Lolo, elle manque d'aide, elle reste tranquille. Après maintenant, j'ai décidé que bon, maintenant là, il faut qu'on s'en aille. Il y a eu une satisfaction entre elle et moi là-bas parce qu'elle était jalouse parce que le fait que je connaisse Mimi Volkon, que Mimi Volkon m'a invité. Voilà. Et voilà. Et puis on s'est séparés. On est rentré ensemble et tout. Et puis, quand j'avais déjà libéré la chambre et tout. Et puis, dans la chambre que j'avais, je ne pouvais pas en mettre trois personnes. On était avec les deux garçons qui avaient la voiture. Lorraine, elle et moi. Après, maintenant, on est parti à l'autre dormir. Alors, l'histoire de Mamie Wata. Donc, on est parti à l'autre dormir chez un dealer de Banga. Bon, je voulais dormir ici. Il a mis un grand matelas et tout ça. Donc, il y a un gars qui a dit que moi, lui, il dort là-bas à terre. Il préfère dormir à terre. L'autre garçon, il dort devant. Lorraine Mangue, elle dit qu'elle dort à côté du gars. Moi, je ne sais pas ce qui se passe parce qu'apparemment, ils connaissent ce qui se passe avec Lolo. Maintenant, moi, je dis, ah, moi, je dors ici. Lolo, elle vient dormir à la côte. C'est comme ça que le bruit commence. Lolo, elle fait le conseil de Lolo à Billy Mami Wata. On est déjà. Mami Wata. C'est comme ça alors que ça commence. Boum, 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 boum. Même la dernière fois qu'on était à l'hôtel là-bas. Et Maëlise Baga ne parle pas de ça. Hein. Maëva, imagine une belle femme. Hein. Si ce que tu dis là, elle va se fâcher contre nous. Hein. Fais attention, Maëlise Baga. Tu as vu la femme de Maëva, image. Elle est belle. Elle est gentille, belle, très jolie. Elle est belle. La femme de Maëva, image. Nous a fait quoi? Hein. Moi, déjà, la carte là, tu dis moi seulement. Oui? Elle est comme ça. Ah. Oui. Oui, je sais que c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Là, je parle quelque chose de la vérité. Et je ne comprends pas pourquoi Noël Mengue allait appeler chez Flore pour dire quoi? Que je suis menteur. Elle veut commencer la métier avec Lolo. Elle ne sait pas comment faire. Et pourquoi elle passe par Flore? Même le cabinet du mentier. Avec Bobby Iron. Il est Sopi, oui, je connais, ce sont les gens que je connais. Bobby Iron, celui qui fait la tenue militaire, la soirée militaire, moi, je ne peux pas aller à sa soirée. Parce que quand les Mazembe sont là-bas, je ne serai pas là. Si Bobby Iron ne vient pas en Ghana le 19, je ne peux pas chez lui, c'est très bien. Tu n'importe quoi. Non. Même la veuve. Marius, essaie un peu d'appeler un peu en cause, un peu si c'est possible. Est-ce que j'ai déjà insulté comment on appelle, Louane Mangue un jour? Peut-être que j'ai eu à penser à elle. Je ne la connais pas. Toi, je te connais. Je ne t'ai jamais vu. Mais on a les antécédents dans les réseaux sociaux. Bobby était vigile, oui, oui. C'est lui qui fait la soirée militaire. Oui. Oui. Je ne sais pas si ça va passer. Hein. Je ne sais pas si ça va passer. Parce que moi, mes soucis, c'est un peu compliqué en ce moment. Oui, Bobby, c'est Bobby Iron. Oui. Oui.
Vous entendez? Un pas là. C'est tenu un pas deux fois dehors. Si ça dit comme ça veut dire que ça ne passe pas. J'ai accepté la demande. Hein. J'ai accepté la demande, mais ça ne passe pas. J'ai accepté la demande, ça ne passe pas. En tout cas, il y a un gars, on monte, c'est la même. On va parler de quelque chose qui est très important. Si tu gardes ça pour toi, nous fais confiance, garde ça pour toi. Voilà, quelque chose qui est très important. Parce que je voulais parler avec notre chef, mais tu m'as envoyé un numéro, un nombre d'art. C'est ce que je suis, quelqu'un de très respectueux et très calme. Donc, il faut que tu me prives d'abord un peu, tu m'as envoyé parce que c'est respectueux, tout ça. Ouais, donc, voilà. Maman, Facebook, n'a pas pour n'aider. Ok. Et t'appelles tout de suite, je reste encore dans 5 minutes après, je t'appelle. Vivez vos vies. Il y a les gens qui peuvent aller tuer. Il y a les enfants qui tuent leurs parents pour avoir l'héritage. Je peux vous dire, mais c'est sûr que vous allez périr. Il y a les choses que moi, c'est ancestral. On est ça, Facebook. Ouais, elle demande les étoiles. Les étoiles de quoi? J'ai encore les étoiles. Il y a encore les étoiles. Hein? En tout cas, je veux, comment je peux parler avec ma... On va encore. Je veux mettre les membres de Ngoussa. Robert, you're medium. Connected to Galaxy IQ4. Ouais. Il y aura vie paix de l'homme. Écoute. Tu me dis, ne te confie pas. Et tu sais qu'on va parler de quoi? Toutes ces femmes, les deux soucis qui connaissent mon mari. Qui connaissent ma vie. Toutes ces femmes-là. Connaissent ma vie dans les réseaux sociaux. Aucune personne ne connaît ma vie. Parce que moi, je suis une personne qui est. Et c'est moi-même qui raconte ma vie dans les réseaux sociaux. Je te confie pas. Si je dis que je suis seul, je veux parler de quoi? Vous croyez qu'on va parler des gens de Facebook? On va parler de quoi? Hein? Je te confie pas. Et tu la connais où? Tu as vu Marie, la voix de Marie Zumbaga dans les Kogosa, peut-être avant. Ça vous promet souvent. Hein? Elle a sa vie. Elle a sa vie. Elle se défend quand elle peut. Toujours là. Ne te confie pas à elle. Même si je me confie. Ça ne concerne pas Facebook. Hein? Tout pour vous. Vous, c'est que ne te confie pas. On va se confier alors qu'il y a quelqu'un qui a... Vous avez appris ma page. Influencé pour vous états. Jusqu'à septembre que on va encore me donner l'argent. Je ne peux plus faire les tickets, je ne peux plus rien faire là-bas. Parce que vous savez que j'ai harcelé les gens. Parce que j'ai dit que le 19, c'est mon jour. Le 19 à... le 19 mai, oui, à 20 3h59, c'est tous les 19. Elle passe. Comment va commander l'argent à TikTok? Et puisqu'il m'a dit que mais, je devais elle n'est pas à TikTok. Comment elle va faire le direct? Elle va faire un TikTok avec un grand influenceur de TikTok. Non. Et pourquoi les 19? Pourquoi mon knock encore? Comment j'ai un knock mon 8 mars? Moi, j'ai dit. Et, pour qu'elle passe là, le 20 à minuit, pas le 19, parce que le 19 aussi, c'est encore, c'est toujours, le 19, c'est toujours moi. Le 19 va finir à minuit. Il n'y a pas que je veux faire le 19 à 23h59. Non, ça ne marche pas. Mais Marie Zumbaga peut être ce qu'elle veut, que ce soit le manière. Marie Zumbaga commente où elle veut, elle est comme d'habitude. Parce qu'elle veut, je m'en fous. Elle est le mania, elle est pédagiste, elle est warose, elle est tout ce qu'elle veut. C'est une électron libre, elle fait ce qu'elle veut. Du moins qu'elle ne heurte pas certaines gens, c'est tout. Vous-même, c'est d'un bon pays.
Bon, puis me dit que si je parle encore de la jeunesse, attends. Bon, puis, écoute, hein. Bon, puis. Comme tu dis, quand on m'arrête au Cameroun, toi, on va t'arrêter avant. Et là, on va s'y aller. Bon, puis, attends, je vais te faire ça. Bon, puis, regarde. Ouais, attends. En tout cas, les vidéos, ton nom, c'est. On a appelé ça quoi là? C'est quoi là? Ouais, ton nom, j'ai même plus de son nom. Massop, ou c'est Massop? Ou c'est la jeune? Non, c'est la jeune, j'ai quelque chose à foutre. Le, hein? Notre malade, quoi? J'appelle Toby Chou tout à l'heure, elle me donne le nom. Toby Chou, Toby. Vous parlez de quoi? Je sais qu'il doit être. Il est à 23h, il est minuit. Toby? Ça va, mon fils? Allô? Oui, c'est comment? Tu as mis le truc fermé là, qui est face. Redonne-moi le nom de Bobby. Le nom de là où elle travaille. Ok, merci. Sinon, tu vas bien, mon fils. Ok. On est ensemble. On dit que nous sommes les parias. Tout le monde est ensemble pour voir. On me met une école que j'ai dedans. On avait une école. C'est comme ça que tout le monde cherche sa part de lui parler. À tout à l'heure. Envoie-moi ça. Merci. Je suis un enfant. Vous venez parler dans la vidéo de qui? Excuse-moi, ma Obi, machin, je n'aime pas le manque de respect. Je ne manque pas de respect à ma soeur ici. Voilà, elle est partie. Voilà. La lionne, message, voilà. La lionne s'appelle Vivienne Laure Massop. La lionne, c'est ton nom. Et là où tu travailles, attends, dis à ta dans la que si elle ne te chasse pas là-bas, tu peux me menacer moi. Moi tiens. Tu peux me menacer toi aussi. Moi tiens. Il y a les chats qui me font rire. Bonamoussa de Carrefour et tout, boutique la Josa. N'allez pas là-bas. Là-bas, c'est les armes, la cocaïne et tout. C'est les prostituées. On ne vend rien. La lionne s'appelle Vivienne Laure Massop. Elle travaille à Bonamoussa du Carrefour et au boutique La Josa. Tu penses que j'ai pris la Josa? Elle m'a fait quoi, Cameroun? Tu es malade? Parce que je ne comprends pas. Tu es assis tous les jours. Et direct. Tu ne vends rien. Tu ne travailles pas. Toi, moi, une ancienne, mais une dinguiste, tu me menaces étant assis et tu prends les motos. Mince. J'arrive à toi là. Peu importe que je vais arriver, tu vas sauter. Écoute, regarde les histoires. Tu as parlé, tu es qui toi? Astico. Je suis comme ça parce que moi, je n'ai pas appris à faire le ménage, je n'ai pas appris à plier les habits. Moi, j'ai tué les femmes des ménages et tout ça, c'est pour ça. Et à quoi? Tu ne vois pas, toi? Oui. Attends. Mais c'est marrant, hein? Tu es quitté là-bas dans les. On n'a pas. Tu n'étais pas aussi invité au mariage. Parce que j'ai vu que quand mon mariage, on n'était pas amené avec toi. Idiot. Non, parle plus de moi. Ton nom. Parce que ton nom est ici. La lionne. Et où le Dieu est dit, non? Viviane, ton vrai nom, dans ta carte, ta carte, c'est, attends, je te montre comment ma carte, ta carte d'identité. Peut-être que tu crois que comme toi et moi, on est pareil. Ouais, ma carte d'identité, je vais aller voter le 18. Ton nom, c'est Viviane Lomba, Massop.
Donc, les Bamiens qui ont les masques là-bas chez eux. C'est quand même bizarre. Voici ton nom ici. La Lyonne, ton nom, ton vrai nom, c'est Viviane Lormassop. Tu travailles à l'entreprise de prostitution qu'on appelle Bodamo Sadiq Carrefour et tout, boutique, la boutique de la Josa. C'est là où on va te prendre. On t'a que j'ai peur de la Josa. Elle va te licencier parce que quand je vais prendre la boutique, là, tu vas comprendre. Quand tu m'insultes, la Josa est où? Mais elle est à côté, non? Donc, toi, tu vas te mettre dans une boutique où on vend les dents, les cheveux et tout. Et tu insultes les gens qui vivent à l'Occident. Tu es moi pour ça, soit ensemble. Tu me connais? Tu me connais? Le tout aussi. C'est la boutique Sikova. Je vois, mes gars qui sont à toi là, ils vont venir là-bas. Je la boutique là. Tu vois quoi? Tu es qui? Avec ta large bouche, on dirait les tilapies. Il y a qui veut manger les caca. Tu es pas là qui? Bébé, à moi. Jusqu'à tu m'interdis aussi. Là. Ma soeur, attends. Parce que j'ai insulté tes gens. Je suis jaloux. Jaloux de quoi? Marie Zoubaga, laisse-moi. Laisse-moi aussi. Marie Zoubaga, tu as vu? Regarde, je suis assis. Regarde très bien. Voilà. C'est ça qui s'agit. Mais toi, tu demandes qu'on achète son bon. Tu veux gâter son gars et paye. Ah! Voilà, attends, je veux te répondre, champagne supérieur. Peut-être que vous ne comprenez pas la situation. Je veux commencer par Samé. Samé vit au Maroc. Donc, quelqu'un qui vit au Maroc, moi je danse ici à mon immeuble, je fais le bruit. Donc, attends, mettez un peu les cœurs. Il faut réfléchir. Ça m'est dit au Maroc, il appelle la police. Quelle police? Les bandits qui viennent ici, qui me demandent 500. Donc, quelqu'un qui vit au Maroc va appeler, va déplacer la police pour le tapage. Et les gens même qui vivent dans les meubles n'appellent pas la police. Tu trouves pas que c'est un peu bête? Hein? Tu me parles de on appelle la Lyon. La lionne m'insulte gratuitement. Je dois laisser. La lionne à la lionne. Elle parlait de ma fille, ma petite fille. Et Namongoui. Comme quoi je suis commandeuse. Je suis maman indigne, grand-mère indigne. Que j'ai amené Namongoui chez sa patronne, le cam, à la fête. Qu'est-ce que ça y va? Elle me menace que je prononce plus son nom. Elle est qui? Celui du Maroc est qui? Pour même ce qu'il y a eu une enquête, parce que les voisins savent qu'il y a des gens qui sont venus ici. Parce que quand ça va se passer, je vais appeler demain mes gens, parce qu'à l'heure, s'il va déranger les grandes personnalités, je vais appeler. S'il n'y a pas eu un signalement dans cet immeuble, il y aura un problème. Il y aura les traces déjà, parce qu'il y a les caméras. On va signaler leur voiture, il y aura les caméras. Ça, c'est très, très grave. Donc, une petite chose comme ça, mais surtout gratuitement, elle parle de ma fille, ma petite fille, et moi je dois pas être mauvaise. Mais vous réfléchissez un peu. La mais ça me vit au Maroc. Moi, en France, c'est moi qui fais le bruit à l'immeuble. Donc c'est lui qui sent le bruit là-bas. Donc c'est lui qui appelle là-bas pour dire que je fais une nuisance sonore. Alors que mes voisins, eux, n'ont pas appelé. Dis-moi un peu. Parlons un peu. Que j'ai peur de la baisse avec de la lion, mais insultez-moi.
Et la maman, vous venez chercher quoi? Voilà. Donc, on va éclaircir tout ça. Ma chérie, tu as un problème avec moi. Qu'est-ce que c'est un foot? Je peux organiser un truc. Je peux dire que c'est le 19, ce n'est pas le 19, mais il y aura du beau monde ici. Hein? La lionne, c'est qui? Donc, la lionne, adore. Donc, chaperon supérieur. Déjà, quand j'ai un chaperon supérieur, ça n'existe pas. Les chaperons supérieurs, c'est les cristals, c'est les dons pérignons, Schroeder et tout ça. Donc, les chaperons supérieurs n'existent pas. Donc, déjà, tu es fausse. Et en plus, tu parles quoi? Donc, la lionne a le droit de m'insulter. D'insulter la mon. Oui. Nous, on va faire. Vous allez faire quoi? Tu vas faire quoi? Viens en face de moi, ma chérie. Tu vas faire quoi? La lionne, c'est qui? Je vais l'écraser sa large bouche là. Qui bouffe les caca. Et la dose là. Vous allez rester dans vos clashs. D'abord, je prends mon train d'équipe. Dégage, pardon. Champagne de merde, le caca. Pour tu portes ta vie. Attends. Ok. Donc, c'est normal que les gens m'insultent, quoi. Maman, elle souffre. Ok. Ma petite fille, elle souffre. Donc, moi, nous, on va faire. Vous allez faire quoi? Mais venez. Il y a des gens pour. Tout à l'heure, là, je vais appeler. On va me dire, parce qu'il faut se battre. Je dis, oui, il y a eu un tapage à l'appartement et il y a eu quoi? Si la police dit qu'ils n'ont rien, oui. On voit ça. Attends. La baisse, ça va. Les traces vont sortir. Vous êtes malade ou quoi? Donc, là, il y en a le droit de m'insulter par rapport à quoi? Je lui dois quelque chose parce que je ne suis pas d'accord. Je suis dans des accords avec ces deux patrons. Toi qui? J'étais grave. Je vais en fait. Ouais. Attends. La diose va porter plainte à qui? Ça veut dire que c'est la diose qui t'envoie insulter les gens. Imbécile va. Bon, je vous laisse. Allez, je t'appelle tout de suite. On va poser. Bonne nuit à vous, merci.